So I think that the average perfume consumer thinks that someone walks into a room, mixes together some things that smell good, boom, you've got a perfume. It's quite the contrary. It's like composing a symphony. Monsieur, venez me voir. Ensuite, je crée des parfums. Je veux remettre des matières exceptionnelles au cœur de ma création. Il me sort sa carte. François Demaché, parfumeur créateur Dior. Quand tu es né à Grasse, que tu as été éduqué dans une famille où le sens de l'odorat est aussi important que celui de la vue ou de l'ouïe, t'as pas le même bagage que les autres. Ça, c'est topissime, ça. Je vous assure. Il associe des images aux odeurs. Il a comme ça une bibliothèque de 2000 matières premières. C'est inimaginable. On travaille pour une industrie qui, à mon sens, incarne vraiment ce qui fait qu'on est homme. On ne travaille pas pour manger, on travaille pour se parfumer. On a travaillé toute l'année. Arrive la récolte et ça, c'est le cadeau. Quelle magie. Lots of them had never seen ambergris. And they couldn't believe how sweetly beautiful it was. Quand on est un créateur, il faut être curieux de tout et de tous. C'est très, très lié au désir et à la toujours. Le parfum, c'est de l'émotion. Lorsqu'on y met les pieds dedans, on se le sent plus. C'est de l'addiction complète qui arrive. Regarde les deux gestes, la différence. Selling perfume is selling a dream. It's a selling a fantasy. Le parfum, c'est par définition, à mon sens, une aventure humaine. On peut rentrer, on peut faire un petit coup. Ça marche avec les femmes, les parfumeurs? Oui, oui. C'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, aussi, de la vocation, entre guillemets. C'est peut-être ça aussi.